Sous-espace propre. Proposition, soit A une matrice carrée d'ordre n, lambda une valeur propre de A, l'ensemble noté E lambda des vecteurs de Kn, tel que AV égale à lambda V, est un sous-espace vectoriel de Kn. Elle est appelée espace propre associé à la valeur propre lambda. Définition, soit A une matrice carrée d'ordre n et lambda une valeur propre de A. La multiplicité géométrique de lambda est la dimension de l'espace propre E lambda associé à lambda. On le note, MG de lambda est égal à quoi? Est égal à dîme de l'espace propre associé à lambda. Soit L, l'endomorphisme représenté par A dans la base canonique Kn. On a E lambda s'équerre de L moins lambda In. Donc, on a la relation suivante que la dimension de E lambda, c'est N moins rang de A moins lambda In. Proposition, soit lambda une valeur propre d'une matrice carrée A, la multiplicité géométrique de lambda est inférieure ou égale à sa multiplicité algébrique, c'est-à-dire que MG de lambda est inférieur ou égal à MAL algébrique de lambda. Preuve, soit L l'endomorphisme associé à lambda dans la base canonique EN et L lambda, la restriction de L à E lambda. Soit B lambda une base V1, V1 jusqu'à Vm, une base de E lambda, où M c'est la dimension de E lambda. On complète cette base par B de V1 jusqu'à Vm, c'est possible d'après le théorème de la base incomplète. Soit M la matrice représentant L dans la base B. D'après la proposition 3, M et A sont semblables. Et par suite, d'après la proposition 6, ils ont même polynôme caractéristique. On pose M, c'est lambda I, M0, DC, avec C, c'est une matrice d'ordre N moins M, M, et 0, la matrice nulle de N moins M, M, de K. D'où le polynôme caractéristique P de A de X est égal au polynôme 2 de M, caractéristique de M de X, est égal à quoi? Lambda moins X puissance M multiplié par C déterminant de C moins X IN moins M est égal à quoi? Est égal à lambda moins x puissance m, et ça représente le polynôme caractéristique de C. Par suite, lambda moins x puissance m divise P de A de x, d'où le résultat.